aller dans le taxi, les enfants. On va aller faire un pique-nique dans le parc. Cool. Et on va monter dans un vrai taxi. Yeah, j'ai apporté mes bulles magiques. J'ai préparé un casse-croûte pour le trajet. J'espère que vous aimez les fêtes. C'est quoi une fête? Je peux en avoir une? Les roues du taxi tournent, 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 tournent. Les roues du taxi tournent, tournent dans toute la ville. Bip, bip. Oh, quelle belle promenade en douceur. Partager, je peux en avoir un peu? Non, pas pendant que tu conduis, mon cher. Les enfants du taxi font match, 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 match. Les enfants du taxi font match, match, match dans toute la ville. Miam, miam, ce sandwich était si bon. Maintenant, maintenant, fais attention à ces bulles pour voir où le chauffeur il va. Le klaxon du taxi fait bip 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 bip. Le klaxon du taxi fait bip 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 dans toute la ville. Hey, regarde qui c'est. Oh, hey. Bonjour, bonjour. Les roues du taxi tournent, 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 tournent. Les roues du taxi tournent, tournent dans toute la ville. Ellie qui sent mauvais. Jeune fille, tu as besoin d'un bain. Oh, c'est l'air qui m'a roussant. Je veux. Je suis tellement excitée. On m'appelle Ellie qui sent mauvais parce que j'ai besoin d'un bain de bulles en secret. J'aime sentir mauvais parce que les bulles me font rire. Tu sens mauvais, petite coquine. Maman fait couler l'eau et fait basculer la boîte. C'est parti. Le bain est rempli. Et c'est là que j'interviens. Dans le bain, Joey. Des bulles sur mon ventre, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes coudes. J'ai la peau qui pétille. Des bulles sur mon nez, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes orteils. J'ai la peau qui pétille. Oui, tu en as. À manger. Je sens bon. Tu es délicieux. Regarde, j'ai fait un crocodile avec des oreilles en mousse. Une dame barbue avec un chapeau. C'est tellement amusant ici. Des bulles sur mon ventre, des bulles sur mon menton, ponton, des bulles sur mes coudes. J'ai la peau qui pétille. Des bulles sur mon nez, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes Les bulles sont vraiment géniales. Le temps des bulles est fini. Je mets maintenant mon pyjama.
partout dans le monde. L'arranger, l'embrasser, ne soyez pas triste. Ouchie, ouchie, ouchie. Je suis tombée, j'ai un bobo. Ouchie, ouchie, ouchie. Même notre toutou crie. Wow, wow, oui. Qu'avez-vous fait? Maman va toujours prendre soin de vous. Ouchie, ouch, ouchie, ouch. Je suis tombée, j'ai un bobo. Ouchie, ouch, ouchie, ouch. Même notre toutou crie bon, oh oui. Gros bisous. Maman, maman, Rocky s'est fait mal. Il a un pic à la patte, écoutez-le. Mon petit Rocky, vous en sortirez. C'est juste un petit pic que je vais le retirer. Bien sûr que je l'ai soigné. Oh, il va mieux. Oh, beaucoup mieux. Merci, maman. Je t'aime. Tu es la meilleure. Miaou. Mouah. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Je me suis réveillée en petite forme avec une fièvre et une toux. Mon nez est tout irrité et j'ai la gorge nouée. Oh non! Maman dit: pauvre bébé, ma petite n'est pas bien. Je prendrai soin de toi et bientôt tu te sentiras mieux. Achou à mes souhaits. Achou. Dieu vous bénisse. Achou. Oh non. J'ai un rhume dans la poitrine. Achou. Oh oh. Achou. Quel problème? Achou. Je me suis mouchée sur ma jolie nouvelle robe. Ma sœur se sent pas très bien. Je pense qu'elle a la grippe. Mais maman va la soigner. Parce que c'est ce que font les mamans. Maman donne ses baisers et lui apporte son ours en peluche. Mais elle continue à tousser ici et partout. Oh mon Dieu! Achou! À vos souhaits! Achou! Dieu vous bénisse! Achou, oh non. J'ai un rhume dans la poitrine. Achou, oh oh.
Tchoum. Quel problème? Ah, tchoum, je me suis mouchée sur ma jolie nouvelle robe. Oh mon Dieu. Alors ce soir, je vais te bercer comme le font les mamans. Je vais faire une potion magique pour te faire sentir en forme. Lorsque tu t'endormiras, j'éteindrai la lumière. Mon petit bébé chéri va se sentir beaucoup mieux. Jolie puce. Elle dort maintenant. Oh mon Dieu. La glace? Personne? Ouf, où sont-ils tous allés? Ici! Mon Dieu, que s'est-il passé ici? Les peintures sont sur le sol et tout est sali. mon Dieu, au moins, mon Dieu, s'il vous plaît, nettoyez ça, c'est une vraie saleté. Ok, maman. Oups. Oui, oh oui, le mot préféré est oui. Oui, c'est si heureux, il fait ressortir le meilleur. Oui, 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 oh oui, le mot préféré est oui. Oui, c'est un mot si heureux, il fait ressortir le meilleur. J'aime dire oui. Oh, Wookie, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as faim?
Mon Dieu, mon Dieu, que s'est-il passé ici? Wookie a vraiment faim, je pense qu'il est très clair. Mon Dieu, mon Dieu, oh moi, mon Dieu, quelqu'un pourrait le nourrir pour que Wookie ne pleure pas. Oh, Wookie! Oui, oh oui, le mot préféré est oui. Oui, c'est un mot si heureux, il fait ressortir le meilleur. Oui, 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 oh oui, le mot préféré est oui. Oui, c'est un mot si heureux, il fait ressortir le meilleur. Mais qui dites-vous? Quel est votre mot préféré? Je parie que tu ne devineras jamais. Est-ce que c'est non? Wow. Non, idiot. Bon, ok, maintenant j'attends. Wow. Je crois que je sais. Youpi. Tu sais quoi? C'est oui. Oh non, mes bébés jouent avec la pâte. Maintenant vos mains sont si sales, alors nettoyez-les. Ok, 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 okay. Il n'y a plus de temps pour jouer. C'est l'heure de manger, lavez-vous les mains et faites ce que je vous dis. Oh oui, maman. Oui, oh oui, le mot préféré est oui. Oui, c'est un mot si heureux, il fait ressortir le meilleur. Quelle bande de farceurs! On est tous des farceurs! Waouh! Waouh! Tout le monde est debout? C'est l'heure de se réveiller! Tout le monde! Et toi? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors? Frère John! Frère John! Les cloches du matin sonnent, les cloches du matin sonnent. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Il faut qu'on se lève. Le petit déjeuner attend, le petit déjeuner attend. Frère John, frère John. Beurre de cacahuète et gelé, beurre de cacahuète et gelé. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Le bus scolaire attend, le bus scolaire attend. Frère John, frère John. N'oublie pas ton sac à dos, n'oublie pas ton sac à dos. On y va tous, on y va tous. Allons-y, allons tout le monde. Je crois qu'il y a un cadeau à l'école. C'est une belle journée pour l'école. Et un tour sur le bus. Et un beurre de cacahuète et de la gelée. C'est mon préféré. Allez. Le professeur, oui, le professeur, oui. Frère John, frère John. D'école, ouvre ton livre d'école. Apprendre c'est amusant. Apprendre c'est amusant. La cloche de l'école sonne, la cloche de l'école sonne. Frère John, frère John. C'est l'heure de rentrer à la maison. C'est l'heure de rentrer à la maison. L'école est finie. L'école est finie. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors? Frère John, frère John. Les cloches du matin sonnent, les cloches du matin sonnent. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Il était temps. Bonjour les dormeurs. Allez les enfants, on y va. On arrive.
Reginald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a une vache, i-a-i-a-yo. Me ici, me là-bas, me ici, me là-bas, on n'entend que des me. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a un cochon, i-a-i-a-yo. Wok wok ici, wok wok là-bas, wok ici, wok là-bas. On entend que de wok wok. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a un cheval, i-a-i-a-yo. Né-né ici, né-né là-bas, né ici, né là-bas. On n'entend que de né-né. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a un agneau, i-a-i-a-yo. Baba ici, baba là-bas, baba ici, baba là-bas, on n'entend que des baba. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Oh, c'est un canard! Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a un canard, i-a-i-a-yo. Quack quack ici, quack quack là-bas, quack ici, quack là-bas, on n'entend que des quack quack. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Ici petit canard, quack. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme il y a un chien, i-a-i-a-yo. Wouf wouf ici, wouf wouf là-bas, wouf ici, wouf là-bas, on n'entend que des wouf wouf. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme il y a une poule, i-a-i-a-yo. Côte-côte ici, côte-côte là-bas, côte ici, côte là-bas, on n'entend que des côtes-côtes. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Je crois que c'est à mon tour de raconter une histoire. Ok, mais on peut être dedans. Bien sûr, j'ai besoin de trois boucs. Archie, Lucas, vous en êtes? Yeah! Raconte-nous l'histoire des trois boucs Gruff. Ruff. Les trois boucs Gruff sont partis dans les collines pour manger de l'herbe verte à souhait. Ils en ont mangé toute la journée, mangé, mangé jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Regarde ça. Oh, de l'herbe fraîche et verte. Derrière la rivière, petit bouc aperçoit un champ d'herbe de l'autre côté. Traverse le pont et tu paies un péage. Pas avec des pièces, tu nourris le troll. Oh, mon Dieu! Les trois boucs Billy Gruff avaient très peur du troll. Mais ils avaient aussi très très faim. Le petit bouc Billy ne pouvait pas attendre plus longtemps. Alors il s'en alla. J'ai peut-être peur, mais j'ai aussi faim. Et je regarde toute cette herbe qui est nouvelle. Je vais traverser le pont et aller de l'autre côté. Il est peut-être petit, mais il est courageux. Mais alors, quand le petit bouc Billy traversait le pont en trébuchant, le troll surgit dessous le pont et dit... C'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Tu ne passeras pas par moi parce que je vais te manger. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont avec mes mâchoires pourries. Ce n'est que moi, un bébé bouc. Je suis maigre comme un clou. Je n'aurai pas vraiment bon goût, mais le bouc du milieu, tu vois. Yeah. Et il sera le prochain. Très bien. Oh, dégage, petit. Le bouc du
piège à souris. Mais sur le pont, le troll apparut. Il y a un bon gars. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont, juste parce que... C'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Tu sois troll, je m'en vais manger ces douces herbes. Dis le milieu des trois boucs. Oh non, non, non. Dis le troll, je vais te manger avec mon thé. Mais je n'ai que la peau sur les os, vous voyez, je n'ai pas de gras. Tu aimerais vraiment voir mon frère, c'est un gros tas de graisse. Oh, oh, ok, j'attends le grand frère. Laissa le bouc du milieu traverser le pont tranquillement et attendit son savoureux grand frère. Oh non! Ça sent pas bon! Assis sur le pont, le plus gros des boucs traverse sur le pont. C'est qui tritrape sur mon pont? C'est le gros bouc blanc, espèce de mort! Hey, ça ne rime même pas! Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont. Que diriez-vous d'applaudir? Moi j'ai vraiment faim. Je suis en route pour manger de l'herbe et rejoindre mes frères aussi. Je te défie, bouc, de croiser mon chemin. Mais quand te charge chou. Et sur ce, le gros bouc Billy chargea le troll avec ses grandes cornes pointues et le fit basculer en arrière par-dessus le pont, et on le revit plus jamais. Alors maintenant, je vais voir mes deux frères, nous allons manger jusqu'à devenir gros. Nous avons trompé ce troll avec un plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Pour le matin. Boudou. C'est comme ça qu'on se brosse les dents, brosse les dents, brosse les dents. C'est comme ça qu'on se brosse les dents si tôt le matin. Brosse, 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 brosse. Fais comme moi, c'est amusant. On se lave le visage, le visage, le visage. C'est comme ça qu'on se lave le visage si tôt le matin. Lave, 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 lave. Oh, j'aime bien ça. J'aime laver le visage. Moi aussi. C'est comme ça que nous nous habillons. C'est comme ça que nous nous habillons si tôt le matin. Nous habillons, nous habillons, nous habillons, nous habillons, nous habillons, nous habillons, nous habillons. Oh regarde, je suis jolie. Oh, n'oublie pas tes chaussures. C'est comme ça qu'on fait le déjeuner, déjeuner, déjeuner. C'est comme ça qu'on fait le déjeuner si tôt le matin. Pain, 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 pain. Suivez-moi. Voici mon déjeuner. C'est comme ça qu'on va à l'école. Oui, à l'école, à l'école. C'est comme ça qu'on matin. L'école, 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 l'école. Encore? C'est comme ça qu'on va à l'école, à l'école, à l'école. C'est comme ça qu'on va à l'école si tôt le matin. L'école, 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 l'école. J'adore l'école, j'adore. J'aime l'école. J'adore l'école.
Tout le monde est prêt pour un pique-nique? Oui! Oh, un pique-nique! Maman a apporté beaucoup de fruits! Regarde! J'ai une pêche! Et du raisin! Oh, est-ce que tu aimes les bananes? Mmh. Youmi, j'aime les fruits! Pommes et poires, quels fruits aimez-vous? Ça vient. Tous au lit.
Les enfants, où êtes-vous? Je suis là. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien. Mais où est mon petit bonhomme alors? Chérie, chérie, c'est l'heure du réveil. Le déjeuner est prêt. Je suis là. Allez, monsieur, levez-vous maintenant. Je ne le répéterai pas. Garçon, aucun n'y verra pas d'inconvénient. Il peut manger vos crêpes et il sera très content. Non, attends une minute, maman, je crois que je peux me lever. S'il vous plaît, ne tenez pas mes crêpes à notre chien si affamé. Je vais les manger. Oh, regarde ce désordre. Tu aimes? Wow. Range ta chambre, petite fille, vous avez fait un tel désordre. Pas moi. Oh mon Dieu, mon petit bébé, regarde-moi un peu cette robe. Non, non, maman, maman, j'ai bien cette façon de faire. Tout est tellement coloré, je sais que tout est ok. Pas moi. Mais regarde, ma petite fille, si vous rangez vos peintures ici, il aidera tout simplement que ce désordre disparaisse. Voilà. Ok, maman, maman. Oui, 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 oui. Yeah. Regardez-moi pendant que je peins ma jolie petite robe. Ce n'est pas que nous sommes des problèmes. Nous aimons juste dire non. Non. C'est ton mot si préféré. Il est difficile de te pas dire. Ok, non. Mes petits bonhommes, nous allons au magasin. Pas moi. Allons chercher nos affaires. Non, non, non. Préparons-nous à sortir. Mais. Non, non, maman, maman, nous voulons jouer dehors. Je veux faire de la balançoire et moi faire du toboggan. Tu pourras toujours t'amuser dès notre retour à la maison. Et si vous vous comportez bien, alors nous aurons un joli goûter. Ok, maman, maman. Oui, 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 oui. Nous ne voulons pas discuter. Maman, tu es la meilleure. Non, vous êtes les meilleurs. Toi. Non, moi. Oh, mes petits bonhommes. C'est la vie de chien. Tête. Maman a
Petit bébé saute sur le lit. Il est tombé, s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: fini les bébés qui sautent sur le lit. Maintenant, qui connaît l'histoire de la tortue et du lièvre? Oh, je ne savais pas que les tortues avaient des poils. Non, idiote, un lièvre c'est comme un lapin très très rapide. Oh, alors ses poils lui permettent d'aller très très vite. Voyons voir ce qui va se passer. Je vous montre? Oui! Tortue, et je parie que je vais gagner. Oh, bien sûr, ok, je peux être lente, mais j'ai mes habitudes. Oh, bien sûr, je suis plutôt rapide, ouais, tu sais. Oui, c'est ça. Il était une fois, un jour d'été, une tortue et un lièvre ont fait une course. Je vais te battre. Oh, je ne pense pas, donc dis donc. Quel match de tel opposé, pensez-vous que la tortue va s'arrêter? Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Il se serre la main à la porte du départ. Que le meilleur gagne. Ça va bien se passer.
Le lièvre est rapide à la vitesse de l'éclair. Désolé, vieux pote. Désolé, pas besoin. Le lièvre est rapide, mais la tortue sait. Lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Préparez maintenant, faites le bien. Le lièvre est parti, la tortue est restée. Réfléchissant à ses mouvements, il savait qu'elle trouverait son rythme. Lentement et sûrement, on gagne la course. Avancez, gardez votre rythme. Le lièvre est rapide, mais la tortue sait. Lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Allez la tortue, yeah! La tortue se promène tout droit devant elle. Pas à pas, c'est ce que j'ai dit. De courir me fatigue tellement. Une petite sieste ne ferait pas de mal, vous savez. Lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Lentement et sûrement. Le lièvre ronflait si profondément et la tortue passait. Je n'ai rien à faire. Je me dirige vers la ligne d'arrivée. Je pourrais bien gagner, c'est ça le signe. Le lièvre est rapide, mais la tortue sait. Lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Quand la tortue franchit la ligne d'arrivée, ses amis l'acclament. Wow, tu as été bien! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé, petit lièvre. J'ai juste gardé mon rythme. Petit lièvre dit. Ne dites-vous de ça! Tu as gagné la course parce que je faisais une sieste. Lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Le lièvre est rapide, mais la tortue sait. Lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Alors, les cheveux de la tortue l'ont vraiment aidé à gagner, non? Non, pas exactement. Non, Bonnie, la tortue a battu le lièvre à la course. Battre les cheveux? Oh! Je n'aimerais pas qu'on me batte les cheveux. Je les aime comme ils sont. C'est trop marrant. La fin. Maman, raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique. C'est quoi un haricot magique? C'est un genre de soupe. Non, idiote, c'est un... Enfin, je sais pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Il y a longtemps, Jacques et sa mère vivaient leur vie dans une ferme de campagne. Ils étaient pauvres et pas assez à manger, alors ils ont fait un plan pour y arriver. Jacques, va vendre notre vache Bessie, et avec l'argent nous pourrons planter plus. Le jour du marché, Jacques vendit la vache à une drôle de fille habillée bizarrement. Bonjour jeune homme, dit-elle poliment. C'est chiant ces haricots contre cette vache laitière. Ce sont des haricots magiques et ils te donneront une récolte aussi haute que le ciel. Jacques est rentré et montra à sa mère. Mais quand elle vit ce qu'il avait fait, elle a jeté les haricots dehors. Oh Jacques, juste des haricots, mon Dieu! Elle crie. Mais maman, ce sont des haricots magiques. Oh oui, des magiques, c'est ça. Le jour suivant où elle les a jetés, une géante tige a poussé. Oh non! Jacques y a grimpé si haut sur la tige et a trouvé un château dans le ciel. Waouh! Regarde ça! Mais quand il entre dans le château, un grand gros géant au visage affreux est entré en trombe vraiment très fort. Il fait trembler le ciel et les nuages. Fifa, fom, fom, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fom, fom, prêt ou pas, j'arrive. Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard pendant que le géant comptait son or.
Et quand le géant s'est endormi, Jacques s'échappa avec l'or qu'il a pris. Il décida de retourner là-haut. Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière. Oh, s'il te plaît, garde-moi à l'abri du méchant géant. Il grimpa au château et se cacha à l'intérieur. Ha ha! Il dit: l'orgueil du géant, 19 dans 2, cette petite poule. Le géant en a compté au moins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, qu'est-ce qui se passe après 5? Fifa, fon, fom, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fon, fom, prêt ou pas? J'arrive. Jacques est rapide. Oups, mauvaise histoire. Jacques est rapide et agit vite. Il attrape cette belle petite poule blanche. Il a même attrapé une harpe chantante. Il est redescendu de la tige, la la. Mais le géant est arrivé en trombe après Jacques et se jeta sur l'haricot magique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris une hache et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas. Et ce gros géant s'en alla en courant. Et jamais, jamais nous l'avons revu. Avec les œufs de la poule, Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie. La maman de Jacques leur fit un festin et les voisins sont venus de partout. La harpe jouait des chansons tout le long. Jacques, tu es une étoile brillante. Jacques, tu es une étoile. Alors, ils ont fait de la soupe de l'haricot magique? Non, mais maintenant, ils avaient une poule qui pondait des œufs en or. Mais on peut se casser les dents ou le nez. Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'or. Je veux jouer Boucle d'or cette fois, parce que... Ok, ça va être drôle. Alors que Boucle d'or se promenait dans les bois, elle vit une maison. J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a. Je serai silencieuse comme une souris. Oh, les trois sources. Quand Boucle d'or franchit la porte, et qu'est-ce qu'elle avait en premier? Une table pleine de nourriture délicieuse. Ah, de la soupe. 1, 2, 3. Oh, mais le premier était trop froid. Et le deuxième était trop chaud. Mais le troisième était juste parfait. Elle a tout mangé en une seule fois. Trop bon. Boucle d'or a vu trois chaises dans la salle des familles. Je pense que je vais aller les voir et chanter un petit air. La 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 la. La 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 la. La première chaise était trop grande. Oh mon Dieu. Et la deuxième était trop petite. Oh, trop serrée. Mais la troisième était parfaite. Ah, oh, c'est la meilleure de toutes. Oh, oups. Oh mon Dieu. Oh là là. Quand elle s'est enfoncée dans la chaise, elle s'est brisée en 1000 morceaux. Oh mon Dieu. Regarde ce que j'ai fait. Oh. Bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil. Je crois que j'ai besoin d'une sieste. Boucle d'or monta les escaliers jusqu'à une chambre avec trois lits. Waouh, regarde ça. Je pense que je vais reposer ma tête. Ça te dérange pas si je le fais? Mais le premier avait trop de bosses. Oh, waouh. Et le deuxième était trop mou. Oh mon Dieu. Mais le troisième était parfait. Ah, celui-ci va le faire. Pendant que Boucle d'or ronflait, les trois ours sont entrés à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Oh là là, on
dirait que nous sommes pas seuls. Oh mon Dieu! Quelqu'un a mangé ma soupe! Quelqu'un a mangé la mienne aussi! Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe! C'était la mienne, merci! Oh mon Dieu! Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise! Quelqu'un s'est assis ici aussi! Oh, oh, devinez quoi? Ma chaise est cassée! Et c'était du bon bambou! Oh, j'entends quelque chose là-haut! Quelqu'un a dormi dans mon lit! Vous ne savez pas, dans le mien aussi! Et quelqu'un a été... regarde, elle est dans mon lit! Oh mon Dieu, qui es-tu? Bye-bye! Merci pour tout! Boucle d'or a couru dans les bois et se cacha de tout le monde. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Les ours n'en croyaient pas leurs yeux. Maintenant l'histoire est finie. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, c'est juste un conte de fées. Oh, mais où sont les fées? Ok, à qui le tour de raconter une histoire? C'est mon tour. Je vais raconter l'histoire du lion et des chouriches. Tu ne voulais pas dire souris? Pas cette fois, parce que vous allez tous être des petites chouriches. Un lion très très puissant dormait dans sa tanière. Trois petites souris s'approchaient le regard. L'une d'elles accidentellement frôla la patte du lion. Aïe, désolé, monsieur lion. Il devrait y avoir une loi. Oh, désolé, j'espère que je t'ai pas fait mal. Le lion recule sa patte puis la lâcha sur la souris. Les autres souris sont effrayées, ils criaient: tu es lourd. Je vous en prie, monsieur lion, écoutez mon appel. Je promets de te rendre l'appareil si seulement tu me libères. Je serai ton meilleur ami. S'il te plaît. Je suppose que je pourrais dire oui, mais seulement pour cette fois. Maintenant, va rejoindre tes amis et je ne t'en voudrai pas. Oh, merci, monsieur lion. Je suis redevable à jamais. Je suppose que tous les lions ne sont pas vraiment une menace. Alors le grand lion a laissé partir la petite souris. Wow, c'est effrayant. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Oh. Raconte. Yeah, on y va. Padadam, padam, padam. Quand le lion est parti à la chasse, il s'est fait piéger. Il fit les 100 pas et grogna, puis il s'est inquiété. Il rugit si fort que les trois souris l'entendent crier. C'est votre ami le lion! Il a des ennuis, mon Dieu! Accrochez-vous à vos chevaux! Je veux dire, les lions, nous venons à la rescousse! Pris dans le filet, le lion fait les 100 pas et pleure. Sans avoir peur, les petites souris se pressent à ses côtés. Elles grignotèrent un grand trou, deviennent le guide du lion. Eh bien, qu'est-ce que je vous dis? Ces petites souris sont mes fiertés. Nous sommes amis. Amis jusqu'à la fin. Gentilles souris. Les amis sont comme la famille comme les amis. Je tiens toujours mes promesses. Vous pouvez en attirer. La leçon à tirer, c'est l'amitié, monsieur lion, vous voyez. L'amitié est un cadeau qui vous libère toujours. Wow. Alors, c'est une histoire de lions qui se font piéger. Non, idiot, c'est une histoire d'amitié et de gentillesse. C'est sûr, il s'agit d'être toujours là pour ses amis. J'adore ça, c'est trop mignon.